برنامج 60 مينوت على قناة أمسيسي فرنسي حاب يعمل زيارة لدى سيسترز ليحاورهم ويتعرف عليهم أكثر. فالإخوات اللي صاروا اليوم رمز للموضة بالعالم العربي وصورة عن نمط حياة شباب هالجيل خطفوا الأنظار ليجذبوا اهتمام حصة أجنبية وخلقوا عندها حشرية للتعرف على هالظاهرة الجديدة بالوطن العربي. تست 1 2 3. وبلش التقرير بجولة سريعة على غرف البنات للتعرف أكثر على طريقة عيشهم وعلى الأمور اللي بتجذبهم أكثر شيء من ثياب، أحذية، أكسسوارات وغيرها. وكل أخت من الأخوات خبرت عن حالها بالتفاصيل. Comme vous voyez, mon lit est rose. J'aime trop cette couleur, c'est ma couleur préférée après le noir. Moi et mes sœurs, nous sommes toujours ensemble, donc la plupart de mes photos c'est avec ma sœur Nadine. Je suis pas trop fan de make-up, j'aime pas trop mettre, mais non, j'ai dû mettre un peu. Il y a les photos sur mon miroir. Je suis pas égocentrique, mais j'aime trop les photos. C'est pour cela que j'ai mis toutes les photos, à peu près les photos que j'ai fait dans les fashion shows et dans les photoshoots. Il y a des exemples pour nous montrer? Oui, par exemple, ici c'est un fashion show que j'ai fait lorsque j'avais 18 ans. Ici aussi, si j'avais 17 ans, c'était mon anniversaire. Comme maintenant, j'aime ce style, overall, c'est simple, mais j'aime la couleur noire beaucoup. J'aime les lunettes, j'ai une collection de lunettes. Vous pouvez nous montrer celle que vous préférez ou vous mettez les plus originales? Oui, c'est Fahd El Marsou, j'aime trop ces lunettes. J'aime tout ce qui est funky, bizarre. Vous êtes à la recherche d'originalité, de couleurs. Qu'est-ce qui vous fait craquer pour une pièce ou une autre? Qu'est-ce qui vous séduit? Moi, pour les habits, j'aime trop la couleur noire. Si vous voyez, c'est trop les couleurs sombres que je porte. Je ne sais pas pourquoi, mais j'aime le noir. ونادين بدورة حبت تخبر برنامج 60 مينوت عن تجربتها الناجحة بمسابقة للجمال وأكيد عبرت عن فخرة بإنجازاتها لحد اليوم. Lebanon was second runner up. I was so proud because it was my first competition. I was 19 years old and I went alone. First time I travel alone without my parents, without anyone. And I expected to be in the top 20, but I didn't expect really to win as a second runner up. So I'm very proud of this achievement. That's why I will never forget it. أما أليس من بعد ما خبرت عن اختياراتها للأزياء أكيد فاتت بموضوع Dogs Fashion Line. Une compagnie sur quoi? Sur Style in Beirut. Oui. C'est une des choses que je veux faire. Alors je veux ouvrir une compagnie qui est reliée au PR et en même temps je veux créer une marque de vêtements, mais pour les chiens. Ouais. ومن بعدها أصرت تبرهن إنه حتى ستيلا متابعة للموضة. Viens, c'est la bien. C'est Nadine. C'est Nadine qui l'a acheté, mais elle est attachée à moi. Alors, Stella. J'aime toujours que Stella soit stylisée. Oui, elle est habillée elle aussi. Oui, elle est habillée. Ici, j'ai les habits de Stella. C'est tout ce qui est pour elle. Elle a beaucoup d'habits. ورجعوا اجتمعوا البنات بجلستهم المعتادة على صفحات التواصل الاجتماعي وطبعا رفقتهم المحطة وصورتهم بكل تفصيل. J'aime tout ce qui est comme ça, les robes. Ça m'attire, les robes qui sont coupes sirènes. Ça m'attire beaucoup. Alors quand quelqu'un voit mon site Instagram, c'est mon style ici. Alors Blake Lively, je l'adore. Alors j'ai vu tous les épisodes de Gossip Girl. Je l'ai adoré, j'ai adoré sa personnalité. Elle est trop charmante, elle est trop belle et elle portait la robe de Zohair Emrod. Oui. Alors j'aime toujours mettre une touche libanaise, exactement. J'aime mettre quand les stars elles portent quelque chose qui est arabe, qui est libanais. On peut dire ça. عن جد بين حقيقة بتاكل شو تصير لها شو لبستها؟ ايش انا لبستها هون فرح ليش حلو هيك انا عندي قاعدة بالاوضة شو فرح شفت تاك؟ جو دوفي تو فار تاك عملوا له تاك سيلفي سيلفي هي شو زدنا ايه كنت ابرس كنت لقيتي عم لقي هون النيود اوكي سناب شات عريس
say hi to my Snapchat friends. Hi. Safi. Bye. Okay. Stella, say hi. وبعد شوي خبرت فرح فريق العمل عن طموحها انها تصير تي في بريزنتر. Je veux être une présentatrice d'émission de mode. Donc, il y a une personne, il y a un spécialiste, il m'entraîne, il m'a donné des devoirs et des essais pour améliorer, c'est-à-dire la façon, comment parler. Et il y a beaucoup de pratiques, par exemple, savoir comment tenir le micro ou bien comment parler. Il y a une façon comment parler. Elle a déjà fait un casting et elle n'a pas été acceptée. Alors je lui ai dit que tu dois t'entraîner. C'est pas facile de vouloir être TV présentatrice comme ça. Vous, c'est important pour vous le regard qu'elles ont sur votre travail? C'est-à-dire qu'elle vous dit c'est bien, c'est pas bien, ça compte Oui, bien sûr. Je suis très contente d'avoir mes soeurs à côté de moi et bien sûr mes parents et toutes mes amies. Hein. Oui. C'est quelque chose de très important pour nous, avoir une très bonne relation entre nous. Alors, une bonne relation même familiale, c'est juste que Diana, ok, elle est en Afrique, elle est mariée, elle a, elle a un petit-fils, mais... Toujours FaceTime, oui, mais à chaque fois on parle. On parle toujours ensemble. On part au téléphone, maintenant il y a le FaceTime, je la vois, c'est plus facile qu'au Skype. وأكيد كان من الضروري إنه تعطيهم فكرة صغيرة عن المرحلة اللي وصلت لها بهالمجال. شبكة سي إن إن الأمريكية تعرض كل يوم. أليس ركزي؟ تمام عم ركز عم بطلع فيك. أوكي. شبكة سي إن إن الأمريكية بتعرض يوميا كل نص ساعة وعلى مدى نهار فاصل بعنوان أحداث عالمية أو International Events. كل واحد بيعرف تاريخ أو أكثر لمناسبة أو ذكرى بالمجلات اللي ذكرناها بيرسلنا إياها على الـ NCC اللي بدورة رح ترسلها للـ CNN. نحن بانتظار أفكاركم. برافو فافي. برافو فافي. برافو علمتها منيح. شخصك أنت. وصار وقت الذكريات فغرقوا البنات بصور طفولتهم وصاروا يتذكروا اخبار ولحظات من العمر. Vous étiez des petites filles amoureuses du papa. Oui. Et maman. Ça c'est mon père ici avec les lunettes. Ça c'est moi. C'est moi dans la girafe. Je sais que c'est toi. Et ici moi quand j'étais petite. Ça c'est moi quand j'étais petite. J'étais comme un petit ballon. Allez, regarde. Des petites cicatrices sur mon visage car c'est tout à cause d'Alice. La première. C'est pas que c'est moi, Nadine. N'exagère pas. Si Alice, elle se balançait. Moi je suis venue devant elle. Elle avait des chaussures. Pointue. Et sur mon nez ici. L'autre part quand il est trop jeune. Elle a jeté un livre sur moi. C'est lui quand il est trop jeune. Bon, on fait pas exprès, mais c'est venu ici. Ah, regarde, c'est nous les quatre. Ah oui. Ça c'est Alice. Elle avait un parapluie sur sa tête. Moi j'avais les. J'étais comme un garçon. J'avais les cheveux bouclés comme un garçon. فكان للصبايا رد صريح لكل الأسئلة. Quand vous étiez ado, vous avez souffert peut-être du fait d'être grande ou est-ce que vous trouviez jolie ou pas? Moi, comment vous avez vécu votre adolescence? Tous les gens, quand j'étais petite, me disaient que mon corps est très beau, mais moi, j'aimais pas, je me sentais trop maigre. Je me rappelle tout le temps dans la cuisine, j'apportais des friandises et je mangeais pour grossir. Je disais comment elle trouve mon corps beau? Je suis trop maigre, non, j'aime pas. Mais maintenant, quand j'ai grandi, non, j'ai commencé, j'aime maintenant. Ma mère, elle me laissait jamais. Toujours elle me coupait mes cheveux. Alors ils ont été toujours jusque là. Alors tout le temps je pleurais. Je disais à ma mère, je veux que j'ai mes cheveux trop longs. Si on vous avait dit à 12 ans, voilà dans 10 ans ce que vous serez, ça vous aurait pas étonné? On n'a jamais pensé qu'on va faire un reality show. On dit bon. كان لهم رأي فعال بطريقة أخذ الصور فبالنهاية مين أشطر منهم بهالموضوع؟ Est-ce qu'on peut prendre une photo avec vous pour la mettre sur Instagram? Oui. Si je prends la photo comme ça, de haut, maintenant elle est trop longue. Grande taille. Mais elle a raccourci. Si je la prends de bas,
Donc il faut prendre la photo plus bas que le visage. Plus bas. Oui, plus bas. Pour avoir bonne mine. C'est-à-dire, oui. Pour qu'est-ce que ça fait? Non, pour... Maintenant, nous, on est grand de taille, mais dans la photo... Ça donne, la photo, elle devient plus belle. Aussi, on n'aime pas qu'on regarde la caméra. Et pourquoi? Pour être plus spontané, la photo, quand on n'est pas en train de poser. وبوقت عرض حلقة من برنامج The Sisters اجتمعوا الإخوات مع رفقاتهم وحضروا الحلقة سوا وعلقوا عليها ومن بعدها ياسمين حابه تقول كلمة عن النجومية اللي عم بيقربوا منا البنات أكثر وأكثر. It's a bit surprising because I know them as my friends like since long time ago. So now like when we walk around everybody wants to come and say hi to Alias or Nadine or Farah. It's something new to us, but I'm really happy that they made it to the show business. وبالنهاية أكيد بنتمنى للبنات كل النجاح بحياتهم وعلى أمل إنه شي نهار يوصلوا للعالمية. بالحلقة الجاية من يوميات The Sisters بكرة على الخطبة لقينا الفستان بعطي بس العريض لا تزعلي هيك بتحطي الباز هلا لا هو يعني مع التعليم اكيد حيصير احسن بس عندك براون عم نختار طيب لو بنحلش كيف بدك اياها